nous, nous croyons. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous croyons à ce que Dieu est en train de nous dire. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous croyons que Dieu nous a parlé et nous allons de l'avant. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Croyons que Dieu nous a envoyé Malachie 4. Croyons que Dieu nous a envoyé sa parole. Étudions bien les écritures bibliques. Voyons là où nous ne comprenons pas, demandons au Saint-Esprit de nous faire comprendre. Parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens lisent la Bible, mais ils ne regardent pas les je suis, le point, les virgules. C'est ça le problème. C'est comme si les Français dépassent les gens. Quand on pose la question à Jean-Baptiste, dis-nous, qui es-tu? Es-tu le prophète? Il souligne le. Les là, ils doivent savoir que ce n'est pas es-tu un prophète? Non. Il réfère Jean-Baptiste par rapport à quelle écriture tu es. Le là, c'est le Deutéronome 18, 5. Comme Dieu avait dit à Moïse, je leur susciterai un autre prophète comme toi du milieu des. Si vous l'écoutez, oui. Si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranché du milieu du peuple. Maintenant, le juif vient maintenant poser la question. Es-tu le prophète? Jean-Baptiste a compris qu'il demandait le prophète de Deutéronome. Ici, les disciples posent la question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi? Les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et établir toutes choses? Jésus leur dit qu'Élie viendra. Alors, il devait maintenant comprendre que non, Élie viendra. C'est que celui que nous avons ici n'est pas Élie. Et Jésus lui dit non, il est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et de l'autre côté, il part, il dit que, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. C'est que les questions que les Juifs posent, tirez attention. La Bible ici est écrite d'une manière juive. Avec les techniques juives, comme la Bible donne les. Parce qu'un juif, ce n'est pas celui qui explique n'importe quoi. Tu viens comme ça, tu dis que moi je suis prédicateur, je suis prophète. Les juifs ne regardent pas ça. Les juifs regardent. Est-ce que toi, tu es quelle écriture? Tu fais ces choses avec quelle autorité? C'est ça les juifs. Tu les fais avec quelle écriture? Les juifs veulent voir l'identification de l'écriture, l'accomplissement de l'écriture pour te croire. Si tu fais les œuvres, parce que vous devez savoir qu'en Israël, il y a des grandes personnalités que vous ne pouvez pas toucher en Israël. Il y a le prophète Moïse, ne touchez pas. Il y a le roi David, ne touchez pas. Les Juifs, les deux personnalités là, ils savent que ce sont des grands que Dieu a envoyés sur la terre en Israël. C'est pourquoi, c'est seulement l'identification des Écritures. Parce que les Juifs, leur constitution, c'est la Bible. Ils n'en ont pas. Alors, Dieu nous demande au temps de la fin de ne pas aller de gauche à droite, mais de croire en sa parole et à celui que lui a envoyé. Ne cherchons pas à décortiquer les choses. Ne cherchons pas à regarder les choses, mais cherchons à croire la chose que Dieu nous a donnée. Cherchons à croire le message. Amen. Cherchons à venir autour de la parole. Amen. Cherchons à croire ou bien à comprendre les écritures bibliques exactement comme le Saint-Esprit l'a écrit. Quand le Saint-Esprit écrit, il n'écrit pas avec des fautes. Il ne peut pas dire que Élie doit venir premièrement
pour établir toutes choses. Et l'Écriture commet l'erreur de dire non. Élie qui devait venir là est déjà venu. Non. Il est vrai qu'Élie doit venir pour établir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas écouté. Alors, les enfants de Dieu tiraient beaucoup d'attention. Il nous a dit ici que voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin. Écoutez la voix de cet ange-là. Notre ange, notre prophète messager que Dieu nous a donné, nous, pour préparer la seconde venue, c'est Malachie 4, le grand prophète William Branham. C'est celui-là qui est la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est cette voix-là que nous allons écouter. Parce que c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Jésus dans un homme. Il nous parle. Comme il avait parlé à Moïse, comme il avait parlé à Isaïe, il avait parlé à Jérémie. C'est comme ça qu'il a parlé à William Branham pour nous dire, nous, que ce que les églises font, ce n'est pas la vérité. Voici la vérité, c'est dans la Bible. Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mariage et le divorce, la semence du serpent, briser les sceaux, le premier cavalier, deuxième cavalier, troisième cavalier, quatrième cavalier, ça veut dire quoi? Alors, il nous a expliqué toutes choses et maintenant nous connaissons tous les mystères de la Bible. Comme nous connaissons tous les mystères de la Bible, c'est que nous sommes déjà préparés. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas l'erreur pour l'enlèvement. Est-ce que si l'enlèvement vient et tu restes, c'est que tu n'avais pas bien cru le message. Et celui qui a bien cru le message, Jésus-Christ, quand il viendra, c'est un aimant qui va lui prendre directement. Parce que vous avez la matière de Jésus en vous. Cette matière-là, c'est ce que Jésus viendra, ça attirera Jésus. Quand Jésus vient, il fait de ça sa puissance pour prendre ses enfants. Alors, toi aussi, tu seras parmi ceux qui vont partir. Pourquoi? Parce que, déplace-toi. Déplace cet enfant-là comme ça. Parce que vous dérangez trop. Alors, cet aimant-là, quand l'aimant-là va descendre, donne à cet enfant-là à sa maman. Ok. Alors, quand Élie viendra, quand Jésus viendra, il va prendre que celui qui a la matière comme lui. Alors, la Bible, Dieu nous recommande de reconnaître celui qui nous a envoyé comme prophète. Dieu nous recommande de reconnaître sa voix qu'il a envoyée au dernier jour. C'est cette voix-là qui va effrayer le chemin de l'enlèvement. En dehors de la voie que Dieu a prescrit au dernier jour que Dieu nous a envoyé, il n'y a pas d'enlèvement pour les gens. Être en dehors du lieu saint, c'est la mort. C'est le lieu du lieu très saint, c'est la mort. Amen. Aujourd'hui, nous devons savoir que le message, c'est ça la préparation finale pour l'enlèvement. Et si nous ne croyons pas le message, nous serons déçus au dernier jour. Amen. Si nous ne préparons pas notre vie, et nous sommes dans les messages, nous faisons comme le monde. Non. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Alors nous, comme nous avons l'amour de Dieu en nous, nous devons croire le message et nous devons croire au prophète et messager que Dieu nous a donné. Alors le dimanche prochain, nous allons continuer pour terminer avec le messager du septième âge de l'Église. Amen. Et nous allons lire dans Daniel, dans Apocalypse, dans Matthieu, pour maintenant voir maintenant pourquoi nous avons les messages. Pour voir maintenant pourquoi William Branham est venu et il est un prophète du temps de la fin. Et les gens ne vont pas le croire. Même s'ils ne le croient pas, ce n'est pas aujourd'hui. Jésus lui-même, on ne l'a pas cru. Même les frères de sa propre famille ne l'ont pas cru. Mais nous croyons parce que nous sommes la semence royale d'Abraham. Nous sommes sous la promesse du temps de la fin. Et nous croyons que Dieu a réellement envoyé Malachie 4 pour nous donner le message de préparation pour le ciel. Car le ciel est acquis pour celui qui l'a déjà reçu le Saint-Esprit. Et les gens croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont le mauvais esprit. Les gens croient qu'ils ont l'esprit de Christ, mais ils ont l'esprit du diable. Les gens croient qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont des satanistes.
Mais ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit, ils savent que moi j'ai le Saint-Esprit. Et ils croient réellement en ce qu'ils croient, que ce que je crois, c'est la vérité. Je ne peux pas venir dans le message, croire en Jésus et faire des blagues dehors. Non. C'est pourquoi le message est saint. Et tout celui qui croit au message doit être aussi saint comme le message est saint. Dieu est saint. Il a envoyé un saint message à un saint prophète. Et le peuple qui l'écouteront devront aussi être aussi saints. N'allez pas à gauche. Ne touchez pas aux femmes. Ne touchez pas aux hommes. Ne trichez pas. Ne mentez pas. Ne trompez pas. Ne faites pas tout ce que le monde fait. Restez toujours avec Christ et Christ vous donnera la vie éternelle. Si vous faites comme le monde, c'est que le monde est en toi et Jésus n'est pas en toi. Parce que Jésus a dit dans la Bible que si tu fais des choses du monde, tu es semblable au monde et l'amour de Dieu n'est pas en toi. Amen. L'amour de Dieu, c'est sa parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que toi et moi, nous avons crié. Si toi, tu ne l'as pas crié en vérité, mais moi, je l'ai crié dans la vérité, je sais que quand il viendra, il me prendra un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, acclamons le Seigneur et... nous allons chanter et puis nous allons prier le Seigneur.